Alors, donc, Terraform n'est rien d'autre qu'un outil open source, hein, donc appelé tout simplement IAC, c'est-à-dire infrastructure as code en français, infrastructure as en tant que code, pour créer par HashiCorp même, c'est eux qui ont créé Vagrant aussi, c'est eux qui ont créé pas mal, pas mal d'outils, hein, très 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 puissants, très reconnus également par la communauté. Voilà, donc dans Terraform, comme toutes les technologies, hein, vous pouvez avoir ce qu'on appelle. Ah oui, allô oui? Ah, allô oui? Oui, c'est lancé depuis que, comment ça s'appelle encore, Aziz donnait ses feedbacks, je l'ai lancé automatiquement. Non, je l'ai relancé. Voilà, donc c'est un outil donc, de codage déclaratif. Maintenant, en fait, les codages, il y a impératif déclaratif. En déclaratif, c'est dans lequel on a des fichiers comme les Vagrant files, comme les TF, etc. Donc, c'est des fichiers où vous définissez le code à l'intérieur. Et. Donc, le langage utilisé maintenant dans Terraform, c'est un langage qui a été créé par HashiCorp. On l'appelle HCL. HashiCorp Language Configuration ou Configuration Language. Donc, pour décrire tout simplement l'état final. Voilà. Ici également, il y a un terme qui est trop parlant, en fait. C'est-à-dire, quand on dit c'est quoi Terraform, ça permet tout simplement de définir en fait, des instructions qui permettent de donner en fait, un état final à une infrastructure. C'est le mot que j'utilise souvent. C'est-à-dire, initialement, on avait un serveur ou bien on n'avait absolument rien dans notre infra. Une fois qu'on applique Terraform, nous avons un état final. L'état final, c'est quoi? C'est toutes les configurations qu'on avait demandé de faire, c'est déjà fait. C'est tout. Alors, voici maintenant un petit roadmap. C'est quoi IAC? Déjà, on a fait une introduction avec Vagrant. C'est quoi Terraform dans IAC? Comment installer Terraform? Comment créer un projet Terraform? Les fichiers de configuration Terraform? Comment démarrer le projet en tant que projet Terraform? Comment appliquer ce qu'on a, comment préparer le plan Terraform, comment appliquer, comment vérifier et comment détruire l'infrastructure, un peu comme Vagrant en fait. Puis oui, il y a maintenant des termes spécifiques qui vont revenir comme les variables, parce que comme c'est la programmation, il faut développer des variables, il faut également affecter des valeurs à des variables, ce qui eux, ils appellent ça les surcharges de variables. Comment également, une fois qu'on définit l'infrastructure, vous pouvez également dire quoi? Une fois que l'infrastructure est créée, je peux également créer des arbres. Un exemple, je vais mettre en place un cluster. Avec quatre nœuds, je veux maintenant, une fois que c'est créé, je veux également que ça soit lancé sous forme d'output, de sortie, les adresses IP ainsi que le nom des serveurs, ce qu'on appelle des outputs. Puis il y a également la notion de module. Les modules, c'est quoi? Si on a un projet Terraform où nous voulons mettre en place une infrastructure dans AWS, une autre infrastructure dans GCP, une autre infrastructure dans Azure, une autre infrastructure pour la partie CI/CD, etc. Donc, on peut créer des sous-projets. Ces sous-projets dans le même projet, hein, ce qu'on appelle des modules Terraform. Si c'est Ansible, on l'appelle des rôles. Puis, comment maintenant gérer l'environnement? Vous savez qu'en développement, il y a toujours l'environnement de production, pré-production, staging, etc. Donc, on peut le gérer avec des dossiers où on met staging, on met toutes les configurations à l'intérieur, ou bien avec la notion de workspace. C'est-à-dire ça sera déclaratif dans les chaînes. On dit quoi? Si c'est staging, il faut exécuter ça. Si c'est en production, exécute ça. Dans ce cas, on dit ceci. Et enfin, c'est la structuration globale. En résumé, c'est ça Terraform. C'est un outil vraiment très accessible pour les développeurs, mais très puissant. Et c'est vraiment une plus-value pour les CV d'un développeur. Ansible, Terraform, Vagrant. Moins Vagrant, même, parce que Vagrant, c'est vraiment un peu la virtualisation, mais Ansible, Terraform, quand même, vraiment, c'est des mastodontes où dès que tu en parles, les gens vont vraiment dire que non, le gars fait du DevOps. OK, l'installation, c'est très simple. Donc, c'est ce tir-là que j'ai lancé ici. Et c'est hyper simple, à faire, c'est comme du Maven. Vous téléchargez un zip, vous le mettez quelque part, vous décompressez, et c'est tout. Puis, vous créez une variable d'environnement, tout simplement, et vous exposez. C'est un binaire, hein? Donc, quand j'entre en fait ici dans Terraform, voici l'installation. C'est juste un binaire. Donc, vous copiez ceci, vous le jetez en tant que variable d'environnement de Windows, vous avez Terraform. Rien d'autre. Si c'est sur Linux, si vous voulez, vous pouvez faire la même chose, mais également vous tapez la commande apt install et ce sera un binaire sur Linux et sur Mac. Voilà. Donc, la configuration, zéro, rien à faire. Donc, c'est juste ça. Et dès que vous terminez, vous lancez. Donc, je vais démarrer. Okay, le temps que. Je vous prends juste en fait quelques minutes. J'ai pensé que si ça allait. Je vais prendre quelques minutes de plus. Ok. Donc, une fois que c'est bon, voilà. Donc, vous pouvez vérifier, vous mettez tout simplement Terraform. Parce que je l'ai déjà ajouté dans. C'est tout. Voilà. Donc, vous voyez que déjà, les commandes même en fait répondent. Et moi, ce que j'aime dans ça aussi, c'est un peu de l'autre côté, hein.
C'est-à-dire qu'on n'a pas 1 million de commandes. Les commandes sont très accessibles. C'est comme les commandes de c'est même beaucoup plus riche. Mais ici, bon, franchement, c'est. En tout cas, tout langage de programmation ou tout outil qui est très prisé et très aimé par les systèmes, les SIS, ce n'est pas compliqué. Ça, c'est moi qui vous le dis. C'est un truc de programmation. Les gens de SIS l'aiment. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas tout compliqué pour un développeur. Si un développeur fait un peu d'effort, il va le comprendre. Regardez les commandes. Il n'y en a pas 1 million. C'est ça. Init. Validate pour valider. Un plan pour définir le plan. Appliquer, destroy. Après, maintenant, il y a d'autres éléments. Ça, c'est pour formater le code. Ça, c'est pour peut-être s'il y a un blocage. Ça, c'est pour get les connexions. Peut-être s'il y a un registry, etc. Les métadonnées, les autres dont je parlais, les providers. Il n'y en a pas 1 million. Et c'est ça. Voilà. Alors, vous me dites en fait 4 minutes de plus, comme ça je fais une petite introduction dans tout ça. Alors, une fois que vous avez ceci, la première des choses à faire, c'est de créer un projet comme tous les autres projets, hein, comme ce qu'on a fait avec Git. Donc, vous, voilà, donc un exemple ici, je peux vous, hein, je peux créer voilà, ce sera un peu comme Git, hein. Je peux l'appeler 3. Pour nous, tout ce qu'on a vu pour le moment, donc c'est juste en fait les repos, hein, on n'a pas encore vu AWS, mais en général également, ce que j'ai constaté, hein, même les tutos, les trucs, en général c'est plus orienté cloud. Ce sera un peu plus intéressant au moment où on va voir un peu la partie cloud. Et aussi, autre chose, hein, c'est un peu comme des Vagrant. C'est-à-dire, Vagrant, si tu n'as pas compris la virtualisation, Vagrant ne va rien servir. C'est un peu comme un comptable ou bien quelqu'un qui n'a jamais fait la comptabilité qui veut apprendre Sari. C'est-à-dire, toi, tu ne connais pas ce qu'est un plan comptable, c'est quoi crédit, c'est quoi débiter, et tu vas apprendre ça. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'avant de parler de Vagrant, il faut d'abord comprendre les enjeux de la virtualisation. C'est quoi une machine virtuelle? C'est quoi un OS? C'est quoi le networking entre les machines virtuelles? Et tu automatises. Terraform, c'est la même chose. Pour que ça ait un impact, il faut se former un petit peu en cloud ou bien même en fait en infrastructure, tout simplement. Comprendre c'est quoi une adresse IP, un exemple, si c'était dans AWS, déjà c'est quoi une instance EC2, c'est quoi des déploiements avec les Lambda, c'est quoi en fait Amazon S3, c'est quoi quelques services, les ELB, c'est quoi un VPC, etc. Dès que tu les fais, c'est lui qui va te les créer. Et tu ne vas pas te connecter au niveau de la console de AWS, parce que moi j'ai fait du AWS. Hein. Pour aller créer des éléments, c'est lui qui te le fait. Et l'avantage, c'est que tu pourras en fait modifier et appliquer les modifications, tout simplement. OK, nous, pour le moment, tout ce qu'on a vu, on a vu que Git, on va demander à, comment quoi, à Terraform, nous voulons que tu nous crées un repo Git. Vous savez que maintenant, comme c'est de l'automatisation, il est possible après maintenant de créer soit un script shell pour maintenant automatiser tout ce qu'on veut faire, que ce soit du CI/CD, que ce soit la création des repos, et demander à Terraform de l'appliquer aussi, c'est possible. Voilà. Donc, lui, il te met en place l'infrastructure. Si tu as besoin de traitements spécifiques, d'ailleurs, même en fait, Malik en parlait très bien avec Ansible, la partie Configuration Manager. Dans ce cas, ce n'est plus Terraform. Terraform, c'est un peu comme du Vagrant. Et ils sont plus orientés mise en place du provisioning. Après, si vous voulez entrer dans les détails, des détails, dans ce cas, vous faites ça des scripts shell ou bien des Ansible. C'est eux qui gèrent tout ce qui est configuration, c'est-à-dire des managers de configuration en fait. Okay? Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. Est-ce que vous voyez comment ça marche? C'est hyper simple. En général, comme Terraform, lui, il est orienté mise en place d'infrastructures, il nous faut ce qu'on appelle un provider. Terraform. Providers. Donc, les Terraform providers, c'est quoi? En fait, nous voulons en fait mettre l'infrastructure dans quel environnement? Est-ce que c'est du Azure? Est-ce que c'est du AWS? Est-ce que c'est du etc. etc. Mais nous, pour le moment, on n'est pas encore à ce niveau-là. Par contre, nous avons déjà vu en fait ce qu'on appelle le versionning. Ok, on va dire à Terraform. Et si maintenant je voulais manager mes repos Git, comment ça allait marcher? Donc, vous avez vu ce que j'ai fait. Je suis venu ici au niveau truc et j'ai coché. C'est à vous de voir. Hein? Vous pouvez même voir base de données, etc. Et ça sera la même prise que je vais faire tout de suite. Donc, je vais vous cocher ici et vous montre les éléments liés à MSCM. Ici, le partner provider, c'est GitHub. OK, on clique sur GitHub. Une fois ici, vous remontez pour tous les providers. Hein? Vous allez voir ici, user provider. Vous cliquez là sur cette flèche. Il va vous dire, voici le provider. Ici, tout simplement, décrire un fichier nommé provider.1. Et vous mettez ça. Après, on va vous donner maintenant les détails. Ce que je vais faire, vous donnez encore quelques minutes, si ça ne vous dérange pas, juste quelques minutes. Non. Alors. Donc, j'ouvre ceci.
Je vais juste créer la structure, après on va continuer ça. D'accord. Alors, donc regardez ici, les fichiers Terraform, vous aurez besoin de ça. Ça, c'est le fichier principal. Si c'est un débutant, vous allez tout mettre à l'intérieur. Mais ici, on ne met que les ressources ici. Puis, vous aurez besoin de ce fichier-là. Les fichiers également, l'extension, c'est .f, Terraform. Maintenant, si c'est vraiment de la programmation et qu'on veut bien faire les choses, on va déclarer ce qu'on appelle ici des variables. .f. Et si vous voulez attribuer des valeurs à ces variables-là, Terraform.var. C'est ça qu'on appelle tout simplement les surcharges, et ça, c'est la déclaration des variables. Et dans ça, maintenant, il y a ce qu'on appelle la notion de bloc. Vous allez entendre souvent, ça, c'est un bloc. Un exemple, si je fais ça, je copie ceci. Je viens ici. Là, je suis en train de définir, en fait, ici, un bloc. C'est comme ça. Provider GitHub. Je suis en train de vous dire quoi? Quand je vais faire un Terraform plan, téléchargement la dépendance correspondante pour que je puisse enchaîner avec ça. Bon, c'est pas grave, il y a certains, il est déjà 23 heures. Prochainement, on va voir le reste. Voilà, c'est pas méchant pour cette partie-là. Pour ça, on peut plus capter. Parce que si les gens sont fatigués en général, ils ne peuvent plus capter. Donc, je regarde encore le planning un peu.